Oui, bonjour, aujourd'hui pour notre aventure sur Operantia Swenson. Donc la dernière fois, on avait réussi à éteindre le feu, on était arrivé à un moment avec des lucioles, et du coup, on a deux choix, la lune ou le soleil. Donc on va aller voir ça, et on va essayer de résoudre un peu l'énigme qu'il y a. À mon avis, c'est une énigme en deux temps, vu qu'il y a la lune et le soleil, donc il doit falloir activer la lune en désactivant les lumières, et activer ensuite le soleil en activant toutes les lumières, donc les lucioles. Donc on va aller voir ça. Donc on se retrouve directement sur le jeu. Puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un petit commentaire. Allez, c'est parti. Link start. Et voilà. Hop, on va reprendre le jeu directement. Comme ça, on est tranquille. Alors, voyons voir. Tout ça, on l'a lu. Voilà. Du coup, on était revenu ici au moment du repos. Il y a lui qui est monté de niveau. Du coup, il faut s'en occuper. Ça. D'accord. On lui a mis ça, non? Ensuite. Ici, un point de talent. Dégâts critiques plus 10%. Occasion critique plus 2%. Ça, il faut les deux là pour débloquer. À mon avis, c'est 1000 dégâts de critique sur ça. Voilà. Ici. On a quoi, la sanguine? On s'affiche des dégâts critiques supplémentaires plus de 30% quand les ennemis ont des autres 30% de vie. Aura de lumière, vous obtenez 5% pour avoir utilisé une compétence monde supérieur. Ici, 1, 2, 3. Voilà, ça c'est fait. Là, de toute façon, il n'y a rien qui change, du coup, il n'y a plus rien. Ça, on est bon. Fait du vent. Ouais. Estomac de fer. Pendant deux tours. Mage d'urgence, vous infligez 15% de dégâts élémentaires, feu, gel et éclair poison. Si votre énergie est en dessous de 30%, les dégâts de givre que vous infligez réduisent l'initiative des cibles de 50%. D'accord. Versatilité vous donne un emplacement de compétences passives supplémentaires au niveau 12. Froid glacial, peur. J'ai rien d'autre. Je sais pas si on peut pas acheter des nouveaux sorts. Non, c'est là normalement. Pourquoi ça je peux pas l'avoir? Débloquer le talent. Bah oui, j'aimerais bien le débloquer. Blizzard là. Pourquoi je peux pas les débloquer? Comme là. Ça, je les ai. Je le sais que je les ai. Mais comme là, je peux pas les débloquer. Je comprends pas du tout. Comme là, des flèches tombantes, tout ça serait pas mal. Bon, pas grave. On va faire
va aller voir là. Niveau 12, niveau 13. Si j'inverse lui avec lui, on va voir déjà. Bout de chauffage. Niveau de flamme. Ça sera donc pour qu'elle a. Et c'est plus long. Du coup, elle vend pas du tout ça. Oui, je peux vendre, c'est vrai. D'abord, on va voir un peu. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ça. Lui, il y a ça. Croisé. Petit décroissement fort pour infliger cette ligne. D'accord. Le talent. Et si je fais ça. Ça joue sur ça. Esprit du loup, dieu du givre. Voilà. Ça c'est bon. Armure à prendre lorsque vous subissez des dégâts critiques, vous renvoyez 25% de dégâts. Ça c'est vous obtenez bonus d'accord. Celui-là c'est féroce, en dessous de 40% de votre vie, vos chances de coup critique sont augmentées de 10%. Alors, émettez décoissement, dégâts de foudre. Dissipez les effets néfastes et dommages affectant les membres du groupe. Il vous transforme en corbeau blanc afin de gagner le bonus suivant. D'accord. Donc on va y aller avec lui, on verra bien. Ça c'est quoi? Supprime tout statut d'hôte. Inflige dégâts de poison. Inflige dégâts physiques à un ennemi. Ignore 100% de son armure. Augmente ça, on s'en fout. Effrayez vos ennemis pendant 4 tours. La possibilité de réussite est de 90%. Les dégâts des ennemis effrayés sont réduits de 50%. Donne 30% de résistance aux dégâts pendant 3 tours. Par contre, votre chance de toucher votre cible et votre initiative de 25%. On va mettre ça. Et là, il n'y a rien qu'on puisse mettre. D'accord. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On va augmenter son agilité. Voilà. Je pense qu'on peut. Non, c'est ici. Sauvegarder. Hop. On sait jamais. Du coup, il faut qu'on parte par là. On va bien observer s'il n'y a pas des lucioles qui traînent dans le coin.
Ça, c'est pas des lucioles. Non plus. Hop. Je sais qu'ici on est déjà descendu, mais on va les vérifier quand même. Ouais, je me disais bien. Du coup, il n'y en a plus ici. Hop. Et on part par là. Et les seuls ici autour ne sont pas déjà tout pris. Hein. Ouais. Donc du coup, on peut partir par là. Voilà. Ah, ça c'est la lune, du coup logiquement. Il nous reste deux là-bas à prendre. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Du coup, on va passer par là en premier. Et lui, comme on n'est pas obligé d'attaquer pour le moment, ce serait pas des coffres, ça? Alors, attends, on va aller voir ça. Hop. Le petit, c'est bon. On est d'accord. Voilà. C'est où? Ah non, c'est celui qui est en dessous en fait. C'est tout ce qu'il y avait ici? Voilà. Pas de truc comme ça. Le coffre en tout s'était trouvé. Rien d'autre qu'on puisse faire là. Du coup, non, obligé de descendre. Il faut tout rallumer normalement, je pense, maintenant. Pour activer, vu qu'il a fallu tout éteindre pour activer la lune. Je me cache-cache avec lui. Il m'a vu. Il court. I'm training myself to transform into many creatures. Sadly, a fire. Donc il me manque une luciole. Donc il doit y avoir un endroit où je récupère une luciole. Il
Ou alors ça va être en le battant. Voilà. On va bien voir. Alors là, j'ai pas le truc, c'est lui qui l'a à la place. Le silence. Hop. Ça c'est bon. On va faire ça en premier. Résistant au poison, d'accord. Du coup, je peux même pas utiliser ces trucs à lui. Donc pour le moment, il est plutôt inutile. Mais par contre, ça m'a arrangé parce que ça m'a débloqué le premier. Il fait quoi? Fait taire tous les ennemis pour votre tour la possibilité du 85%. D'accord. Toi, tu vas te prendre un comme ça. Et ça chante sur moi. Tu vas me remettre 100% comme ça. C'est lui le plus bas, donc ça va. Hop, on va mettre ça. Ça chante sur lui, hein. Allez, il est presque mort celui-là. Mais on va te soigner toi. On fait ça. Et lui il est mort. On va soigner les autres. Lui va être mort. Lui aussi. Il nous en reste plus qu'un. Et voilà. Finalement, il est utile parce que c'est lui qui prend le silence. Donc, du coup, on n'a pas de Luciole. Donc il va falloir que je remonte chercher des lucioles. À moins qu'il y en avait de l'autre côté en fait. Et que c'est pour ça qu'il fallait passer par là-bas avant.
Je n'en vois pas. Bon, pas grave. On va aller voir ailleurs s'il y en a. Il me manque une luciole. Donc il faut la trouver. Donc je sais qu'ici on a tout fait. Par ici là-bas aussi. On va retourner voir quand même. Tenez qu'il y en avait encore une. Mais allez. Il nous manque une luciole. Allez. Ici. Je sais qu'on avait chopé une ici, luciole. C'est bizarre, ça a l'air d'être en être une, ça là-bas au fond. Si seulement on pouvait les récupérer ça. Pas moyen de couper ça. Voilà. Il avait semblé avoir vu quelque chose. Non. Ok, il va falloir redescendre de l'autre côté. On les a peut-être ratés avant de monter plus haut. Là. Voilà. On les a trouvés. Il n'y a plus qu'à y aller, y retourner et activer le soleil. Voilà, c'est bien ça. Ça, tout du coup, c'est à cause de ces plantes-là. Et on est passé de l'autre côté. Et ça, c'est pour du repos. Ah, d'accord. Quel spectacle horrible. Ils ne paraissent pas aussi éloquents que leurs amis dans la grande forêt. De toute manière, je ne pense pas que nourrice et passé fonctionnera cette fois-ci. Ouais, c'est clair.
Hop, un bois de chauffage ajouté. Je pense qu'il va falloir passer sur celle-là. D'accord, en fait, ça doit nous ouvrir un truc en dessous. Ah oui, et celui-là. D'accord. Allez hop! Oui, c'est toujours lui qui a le silence du coup. Hop. Ça comme ça. Ça. Résistant au poison. C'est ce qu'ils font mal quand même, hein. Non, ça va, au moins leur fait des dégâts aux deux autres en même temps. Il faut que je le soigne. Voilà, c'est déjà mieux. Après, ça va être du repos. On va le finir, pas de tranquille. Et voilà. Et là, c'est bon. Hop. Ça se prend pas. Là, il n'y a rien d'autre ici. Ouais, c'est ça. Du coup, on a bien fait battre l'autre ici avant. On sait qu'il y en a qui ne font pas tomber parce qu'ils ont des piquets dans leur bouche. Donc si j'observe bien, celui-là c'est celui qui est fermé à l'entrée. Donc il restera toujours fermé. Du coup, si on fait ça, ça fait comme ou alors on est arrivé par là. En tout cas, ce serait celui-là qui est fermé. Bon. De toute façon, on tombera juste ici, c'est tout. Puis on n'a plus rien à craindre du coup ici.
On va juste tenter une fois. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai peut-être un truc ici, non? Non. Non plus. D'accord. Ah, ça c'est fait. D'accord. Donc ça fait bien des dommages. Donc on va vérifier un truc. On va y retourner et je pense qu'il y a un truc à faire. Sûrement bouger les piquets en bois. Tout à fait. Look up. We're in the belly of the beasts. I feel we can do something with these logs. Ah, so instead of feed and pass, it's tree and pass. Brilliant. Voilà. On a fait notre passage. Du coup, ce qu'on va faire, on va retourner voir là-bas. On avait vu un truc ici. Pour se reposer. Hop. Voilà, repos. Sauvegarder. Voilà, partir. Voilà. Donc du coup, bon, on va s'arrêter là, hein. Donc, ben, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un petit commentaire aussi. Et à cliquer sur la petite cloche à côté de s'abonner pour ne rien rater d'autres vidéos. Juste à côté de vous abonner, vous avez le bouton rejoindre qui vous permet de vous sponsoriser la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir un peu ce que ça vous apporte, hein, comme avantage. Dans la description, vous retrouverez les réseaux sociaux, Twitch où je fais des lives, où je fais des giveaways en direct, n'hésitez pas à le follow. Vous avez aussi des liens qui vous permettent d'obtenir des cadeaux sur des jeux, ainsi que des monnaies sur certains jeux, comme des V-Bucks sur Fortnite. Donc n'hésitez pas à les voir un peu. Et en plus, en utilisant mon code de parrainage qu'il y a sur ces sites-là, moi, ça me permet d'obtenir aussi des gains par rapport à vous, et de pouvoir vous faire gagner d'autres giveaways aussi. Voilà. Donc bien sûr, je vous dis donc à la prochaine, dans la bonne humeur. N'oubliez pas, restez positifs.